Donc nous revoilà, donc on a fait plusieurs, on en a fait trois étages finalement en plus au-dessus du rez-de-chaussée. Donc là on va attaquer le toit. Donc on voulait faire un truc espace vert un peu, enfin voilà Ouais, ça assez. se fait beaucoup en ce moment. Même à Paris, tu sais qu'à Paris, y a des toits comme ça. Ouais. Attends, 5 secondes. Oui, d'accord. Bah tu veux que je mette tout en vert, c'est ça? Bon, j'ai. On va tout mettre en vert. Ok. Là, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de fond dans la vidéo quand même. Je verrai ça dans la vidéo. Ah, je sais pas. Parce qu'avec les ordis qui chauffent. Bon, de toute façon, c'est pas. Enfin, je vois là, ouais. Donc, bon, après, tu voulais mettre des fleurs un peu partout, ça? Allez. Après, t'as quand même un espace pour monter. Tu peux pas mettre des barrières autour, mais. Ok, je teste ça. Sans regarder. Et là, alors. Bon, par contre, on vous montre pas l'escalier, parce que bon, c'est un truc quelque chose, mais. Très 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 répétitif, donc on vous montrera peut-être dans l'épisode plus prochain comment enfin, on vous montrera déjà l'aspect du premier étage comment ça fait, mais sinon on vous montrera quand il sera fini l'épisode prochain parce que bon voilà c'est quelque chose vraiment de très très répétitif et franchement On devrait le montrer. à regarder ça serait vraiment pas terrible. Donc voilà donc ouais, je te regarde faire, je sais pas trop ce que tu veux faire mais. La petite montée d'escalier. Ouais. Ah, Ah oui, c'est vrai, l'escalier. Ah oui, l'escalier va donner. c'est sympa de faire des plantes, mais il faut déjà y aller. Donc là. Bah, je commence à faire un truc joli avec les fleurs, avec des fleurs ou. Ouais, tu peux y aller. Tu peux. Ok. Alors, on va faire libre notre créativité. Ah non, ça c'est moche comme fleur. Non, bah, Ah, c'est la créativité un peu morte. Non, mais la 1.7, franchement, elle apportait des jolies fleurs. Oh oui, il y a de quoi faire. Je vais trouver. Là, moi, j'avais créé justement une map en 1.7. Et j'ai trouvé un environnement très très beau. Tu bourrines les nouvelles fleurs. Enfin, Ouais. non, pas trop répétitif. Tu vois, tu Ouais, mais fais j'en mets d'autres, non? un peu. Vraiment par hasard, enfin, là où ça tombe. Je sais pas trop. Non, Non, c'est. enfin, Ah, non. oui, au pire, tu mets de la poudre d'eau par terre. Enfin, même s'il y a des végétations dessus, je Ah trouve oui, de ça la mieux. poudre d'ose par terre, comme ça fait aléatoire. Pas bête, pas bête. Ah, par contre, les fleurs sont tellement fines que je détruis tout. Alors. Voilà, ça peut être. Ok, la poudre d'os. Poudre d'os, matériaux. Voilà. Ah. Oui, t'as entièrement raison. Ah bah c'est 100 fois mieux comme ça. 100 fois mieux comme ça. Oui, je voulais faire un truc très massif, très répétitif, mais voilà. Faire une petite ellipse. Ok. Bon, tu veux pas, tu dois y aller, c'est ça? Ouais, je vais arrêter. Ok. Bon, bah sinon on va arrêter cet épisode-là, alors. On termine ça. Donc du coup, bon, oui, c'est un épisode assez court, mais c'est vraiment, enfin, voilà, parce que ça change des grosses constructions qui sont assez lentes, voilà. Donc bon, bah, on vous laisse sur. Je vous rappelle pour l'épisode prochain, on vous montrera l'escalier en entier. Et je mettrai dans la description le pack de textures parce que je crois que j'ai oublié pour l'épisode précédent. Donc voilà. Donc bon bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, mettre des pouces verts, des commentaires. Non, pouce bleu maintenant parce que c'est avec la mise à jour de YouTube, c'est les pouces bleus. Enfin voilà. Donc du coup bah comme c'est très répétitif, on va finir les planchers et faire l'escalier voilà qui monte jusqu'en haut. Allez, salut à tous, et c'était Salut. Nico94 pour un nouvel épisode de Cube and Craft. Allez, salut à tous, et salut à tous et à toutes, c'est Nico94 en compagnie de Infinity Craft, c'est-à-dire Salut à tous. pour une nouvelle vidéo de Cube and Craft. Donc, bah, j'ai remis le pack de textures parce que franchement, je le trouve sympa. Peut-être que si vous en avez un autre à me suggérer, je suis preneur. Hein, voilà. On prend tout le temps. Alors aujourd'hui, bah, je leur dis la construction qu'on fait ou pas? Oh, tu peux.
Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, c'est un hôtel. Donc au début, on voulait faire un petit commerce, mais bon, on a une idée de dernière minute, et puis voilà, bon, on a trouvé ça plus joli. Par contre, non, l'entrée, c'est normal qu'elle n'est pas symétrique. Je me suis fait une à côté. Ah oui, exactement. On va tout rapprocher ça. Et puis Lucas proposait quelque chose que d'ailleurs je trouve assez sympa. Si au début de chaque vidéo, on vous dit tous les matériaux qu'on utilise. Donc là, là je sais pas du tout ce qu'on va. Là, ça va commencer à partir de cette vidéo, bien entendu, parce que oui, voilà. C'est une idée comme ça de dernière minute. Mais je pense que dans la prochaine vidéo, c'est possible qu'il y ait ça. Okay. On va commencer à faire le sol, parce que là on va essayer de faire les constructions en ordre, pas comme les épisodes précédents. Donc tout en pareil, hein, planche de chêne, c'est tout le temps, mais on les aime. Okay. Attends, je voulais faire remarquer un truc, mais regarde le soleil, comment il est magnifique avec ce pack de textures. Ouais, mais malheureusement il n'y a pas d'effet de lumière. Ouais. Je pense qu'avec un petit mode, ça peut rendre juste très très bien. Mais après moi je peux pas faire tourner tout ça. Bah, je fais le sol. Hein. Mais ouais, franchement, il est magnifique, c'est bien rond, quoi, comme j'aime bien. Bah, j'aime bien dans Minecraft qu'il y ait des choses qui ne soient pas totalement rondes. Ouais, non, c'est exactement. Ça rend bien. Ça fait un contraste et j'avoue que dans la construction, j'aime beaucoup le contraste. Bah, bien vu, club. Alors, hop. Donc, cette construction, elle ne vient pas de moi. Ouh, plagiat. On s'inspire, voilà, d'une construction. Et d'un de nos amis, donc qu'on salue, donc de Ezocraft, c'est bien ça qu'on se prononce, Ezocraft exactement, ouais. Qui nous a, on va dire, hébergé sur un serveur pendant quelques temps, où on a fait des constructions modernes. Après, il a un peu changé de style, il a fait plus médiéval, mais sur son serveur de construction moderne, on avait fait un immeuble, là on va le transformer en hôtel. Mais ça doit rendre pas mal. Bah, de toute façon, on va pas copier bloc pour bloc, quand même pas. Parce que sinon, ce que je garde, c'est l'avancée que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'en fait, le mur vient. Enfin, comment dire. Le mur, c'est pas un vrai mur. Il y a les squelettes, comme je l'appelle, qui se ressortent du bâtiment. Et je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà. Je commence déjà avec un frame. Okay. Donc les murs, on les fend quoi? Alors les murs, ça va être. Comment expliquer? C'est pas la laine grise ou un truc gris, non? Si c'était de la laine grise, pas noire. Donc, je te passe le bloc. Grise. Bon, ben, j'ai failli me lancer. C'est celui-là? Voilà, exactement. Et en fait, avec ce bloc, on va faire des rectangles en fait dans ce sens. Hop. Et pareil pour les autres façades. Non. Là on va plus dans cela l'avancée du squelette ne va pas être présente. Okay. Donc ça va être vraiment très basique avec on serait pas de l'autre côté, donc je le fais d'un côté. Okay. Tu reprendras de l'autre côté, je pense. D'accord. C'est tout ce qu'il y a de plus basique. Faut pas chercher les. On met des vitres ou des blocs de verre? Des vitres, si je me souviens. Des vitres. Pas copié 100%, mais c'est des vitres. Donc on remplit tout ce qui est pas gris, on remplit en vitre, c'est ça? Ouais, c'est tout. Et si ça fait trop bourrin, mais. Attends, je vais regarder ça. Croissant. Je vais regarder ça. Bah après j'ai peur que le bâtiment il fasse trop carré. Ça va être une sorte de mini-immeuble en fait. Hein. Ouais, un petit immeuble, ouais, d'accord. Sur 3 étages. Bah tu me diras ce que t'en penses, mais moi je trouve ça bien quoi. Donc cette construction normalement sera pas en 2 épisodes. Et puis au pire si on n'a pas terminé, comme c'est un peu répétitif, les étages et tout ça, enfin je pense. On coupera au moins. Ouais, on fera des ellipses, ouais. ça durera qu'un seul épisode. Voilà, une petite construction, enfin une petite quand même pas, mais oh, oui, c'est pas une petite construction.
Après, on remplit le reste en vide, c'est ça? Donc, les formes générales, effectivement, c'est extrêmement simple. Donc, à refaire, si vous avez envie, c'est ultra simple. D'ailleurs, tu voudrais faire combien d'étages? 3. 3, ok. Donc, 2 étages plus le rez-de-chaussée. D'accord. C'est pas un peu bas, non? Enfin, un peu... On verra ça D'accord. Quand on y sera, je pense. Ok. Donc, c'est extrêmement répétitif, heureusement, ce genre de bâtiment. C'est du problème. Ah, c'est comme un... Ah, désolé pour les interférences. Là, je m'enlève. Donc, ça rend juste tellement bien les portes avec cette texture. Ouais, elles sont ultra belles. On va reporter ça au-dessus. Okay. Si c'est tout, ça va vraiment vite parce que là, je viens de voir qu'on a juste enchaîné vitesse. Ouais. Bon, on fait cet étage et après, je pense qu'on prend en ellipse parce que c'est toujours la même chose. Ce sera un hôtel ce bâtiment? Oui, enfin moi je sais pas ce que t'en penses, mais moi je voulais plus un hôtel. Parce que tu sais, là on est dans l'allée avec tous les trucs, c'est un peu style luxe, enfin aucun truc à voir avec l'habitation quoi, enfin par exemple, tu m'as compris quoi. Là, des commerces, des grands hôtels, même des petits commerces, des petits hôtels, enfin voilà, c'est une grande allée. Ouais, les marchands. Voilà, marchands. Je sais pas si on fera un centre commercial. Ah, il y a un problème. Non, où tu vas reculer le poteau, ouais, voilà. Oui, parce que je lui fais ça de... D'accord. Par contre, je sais pas si c'est une minute comme ça, tous les étages, je sais pas si... Non, moi, j'ai enlevé. Moi, je préfère laisser au premier étage, en rez-de-chaussée, puis après... Ah, ouais. Parce que sinon, après... J'ai laissé comme ça vers le haut. Ça fera trop chargé, ça fera trop chargé, je pense, après. Faire un petit soutien avec une dalle en pierre en dessous. J'ai toujours dit demi-dalle, je sais pas. Quelque chose comme ça, voilà. Ouais, c'est ça. Ça va pas être la peine de... Bah oui, mais non, mais ça donne un peu de forme au bâtiment, même s'il n'y a pas de porte, non? On peut couper ça comme ça, hein. Voilà, ouais. On prend que là, le deuxième étage est un petit peu plus grand. Enfin, plus haut. Plus haut, ouais. Bon, c'est pas grave, mais... Je vois, moi ça me gêne pas, franchement. Ah, du tout, ça va très seulement. Je pense que c'est un petit bonus, on va dire. Et puis, bah, les faces et les. Attends, je m'arrête toujours. Les murs qui sont du rez-de-chaussée, on les fait pareil que. On fait pareil. Peut-être que le dernier étage, on pourra faire un étage différent hein, de tous les autres. Je vais faire un truc sympa pour faire des aérations. Je fais ça à côté. C'est tout bête. Les aérations, tu les fais en dehors ou à l'intérieur de... Au-dessus du... Tu fais sur le plafond. Tu sais, comme sur des immeubles, il y a des... comme ça. Ouais. Faire des aérations, c'est complètement bête. Tac, 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 tac. Là, tu vois, comme ça. Un peu ventilo. Les radeurs. Attends, regarde la façade, enfin le mur à l'arrière, j'ai changé. C'est peut-être mieux comme ça, parce que sinon ça faisait trop de vite, non? Ouais. On va reposer ça sur le premier étage. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Bon, bah on fait encore un ou deux étages comme ça. Voilà. Et puis après, on fera l'ellipse pour faire le dernier étage parce qu'il sera différent, c'est ça? Ok. Et puis moi, je pensais que sur 3 étages, ça pouvait aller parce que c'est pas... Le marchand, c'est jamais des trucs très très hauts.
Mais sur 4, ouais, je pense que ça peut aller, parce que là, 3, ça peut faire grand chose. Okay. 4. Bah du coup, on fait un ou, enfin, je sais combien d'étages tu veux, et puis on fera l'ellipse pour le dernier étage, parce qu'il sera différent, et pour l'escalier aussi, je pense qu'on pourrait faire un truc joli. Ok. Bon, allez, à tout de suite, ellipse.